Allô, cette vidéo, c'est pour t'aider à rejoindre une réunion Teams, donc un cours en ligne que ton enseignante va avoir programmé à l'avance. Donc, une fois que tu es dans Teams, il y a grosso modo deux façons d'accéder à la réunion de ton cours. Donc, par exemple, ici, je te montre la façon en passant par la section équipe. Donc tout au bas de l'écran, tu vois que je suis dans la section équipe. On le voit aussi en haut à gauche. On a la mention équipe. Et au milieu, donc dans le fil de publication du canal général de mon équipe Test Joe, je remarque sur l'une des publications, English Class 1, on a le logo du calendrier qui apparaît juste à gauche de English. C'est le logo du calendrier, ce qui signifie que c'est une réunion Teams qui apparaît aussi dans ton calendrier Teams. Donc, on voit qu'il y a un cours le mercredi 3 février 2021 à 13 h. Lorsque je vais appuyer avec mon doigt sur cette publication, donc je vais voir maintenant en gros, ou plutôt en détail, la publication. En haut, il y a deux sections, clavardage et détail. Donc, clavardage ici, ça signifie la conversation dans la réunion. Donc, à ne pas mélanger avec le clavardage privé dont il est mention dans une autre vidéo. Donc, ici, clavardage, ça signifie, comme on est dans la réunion, que ce que nous allons écrire, tous les gens dans la réunion vont pouvoir le voir. À droite, on a la section détails. Donc, des détails de la réunion. La date, l'heure. L'heure de début, l'heure de fin. Et on voit ici que j'ai accepté la réunion. Je pourrais changer la mention acceptée pour provisoire ou refuser. Et on voit le beau bouton rejoindre, rejoindre qui va me permettre de rejoindre la réunion. Rappelons que la fenêtre qui est apparue ici à l'instant même est une fenêtre préparatoire pour rentrer dans la réunion. Donc, c'est de cette façon que je vais pouvoir décider si je désactive mon micro ou si je l'ouvre. Si j'ouvre ma caméra ou si je la ferme. Et même chose pour le son. Donc, vous avez le casque d'écoute ici. Je pourrais choisir les haut-parleurs de mon iPad ou carrément désactiver le son, ce qui n'est pas souhaitable dans un cours en ligne. Et quand je vais être prêt, je vais appuyer sur rejoindre maintenant. Et je serai maintenant dans la réunion. Je reviens, donc je fais le X en haut à gauche. Je vous montre maintenant la deuxième façon, c'est de passer simplement par le calendrier Teams. Donc tout au bas de l'écran, il y a la section calendrier. Et vous voyez maintenant dans la colonne de gauche ce qu'il y a dans la semaine à venir, dans la semaine présente. À votre calendrier Teams. Et on remarque que le 3 février, mercredi, de 13 h à 15 h 30, j'ai une rencontre. Et lorsque je clique sur cette rencontre, sur cette réunion, je vois les mêmes options tout à l'heure, en l'occurrence rejoindre, qui va me permettre de rejoindre la réunion. Alors voilà, il ne me reste qu'à cliquer sur le bouton rejoindre.